قال ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. هذا من الواجب، التوبة إلى الله تعالى فورا، توبة إلى الله تعالى فورا، يعني الآن. Puis ensuite l'auteur rahimahullah dit se repentir à Allah subhanahu avant qu'il ne lui inflige son châtiment. C'est quelque chose qui est aussi obligatoire sur la personne, une obligation d'ordre personnel, qu'elle se repente à Allah, qu'elle fasse le repentir, c'est-à-dire. شروط التوبة الندم على ما فات، يعني يندم على صدور هذه المعصية منه في الماضي، يندم على المعصية منه في الماضي. Les conditions du repentir sont, premièrement, le regret quant au manquement commis. Le manquement, c'est-à-dire ici la désobéissance, ça consiste à ce que la personne regrette qu'un péché soit provenu d'elle dans le passé. Elle regrette que ce péché soit sorti d'elle auparavant. Ceci est le pilier le plus important du repentir. Le regret, madame, c'est le plus important. الندم توبة. الندم توبة. Il est parvenu dans le hadith que الندم c'est une tauba. Le regret c'est une tauba, littéralement. Yani, ça veut dire que c'est important. الثاني الشرط الثاني النية أن لا يعود إلى ذنب إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره. هذا شيء يتعلق بالمستقبل. يعني يعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب فيما بقي من عمره. Ensuite, le deuxième pilier du repentir, c'est l'intention de ne plus revenir à un acte répréhensible pour toute la vie restante. La personne met l'intention de ne plus refaire une désobéissance dans la vie qui lui reste. Donc ça, c'est ce qui est lié au futur, ce qui va venir. مثل من يضع رجله على جمرة يرفعها بسرعة، طبعا هو يعزم على أن لا يعود برجله إلى ذلك الجمر. جمر الجمر يعني قلنا إن التائب يقلع على يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن لا يعود إلى الذنب فيقع برجله جمرة جمرة، يعني شيء من النار يتألم أنه يجد حرارة. Donc l'intention de ne plus revenir à un acte répréhensible pour la toute la vie qui lui reste, la personne, elle met l'intention de ne plus revenir à ces choses-là. Elle ne refait plus ces choses qui sont des désobéissances et qui sont pour elle comme des choses normalement douloureuses et même brûlantes. Elle ne tend plus son pied vers des braises, vers des choses qui vont la blesser et qui vont lui nuire. Donc elle ne va pas s'infliger ça à elle-même. Elle ne revient plus à ces péchés-là. إن كان متلبسا بها، هذا هو الشرط الثالث، الركن الثالث. إذا كان متلبسا الحال، هذا يتعلق بالحال، إذا كان متلبسا في الحال بالمعصية عليه، يعني يجب عليه أن يقلع عنها، يعني ينتهي عنها فورا، يعني هذا شرط يتعلق بالحال. Quant au troisième pilier ici, cesser la désobéissance, la marcia, immédiatement, s'il s'en souillait encore. Donc s'il faisait encore actuellement la désobéissance en tant que telle, il doit s'arrêter immédiatement. Et ce pilier-là concerne l'immédiat, non pas le passé, non pas le futur, mais ce qui est actuellement dans le présent. Une personne doit délaisser ça tout de suite. La personne aussi, il ne lui est pas licite de retarder le repentir. Elle n'a pas le droit de faire reculer le moment où elle va se repentir à Allah. ولا يحل له أن يؤخر حتى يهديني الله فإنه من علامات الشقاء والخذلان وقد صير، يعني لا يحل معنى لا يجوز أن يؤخر التوبة، بل عليه أن يفعلها فورا الآن. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا فعل أمر والأمر للفور. Il ne lui est pas licite de retarder le repentir, c'est-à-dire que ce n'est pas permis pour lui de retarder le repentir, ni de dire jusqu'à ce qu'Allah me guide. Donc ça veut dire, soi-disant, je vais me repentir quand Allah me guidera. Voilà. Il n'est pas permis de faire ça. Cet état, le fait de dire ça et de ne pas se précipiter au repentir, c'est un signe de malheur, d'avilissement et de disparition de la clairvoyance de la personne. Car en effet, Allah nous a dit « Toubou ila Allah jami'an,
أيها المؤمنون توبوا توبوا إلى الله جميعا. Donc, ce dont je comprends, faites-le repentir à Allah. Et dans le texte ici du Coran, ceci est parvenu à l'impératif. Et il est voulu par l'impératif l'ordre d'une chose immédiatement. La personne doit immédiatement se repentir. Le fait de retarder le repentir, c'est l'un des signes de Ash-Shaqa, le malheur. Mais ce qui est voulu ici par Ash-Shaqa, c'est décéder sur l'incroyance, sur la mécréance. Al-Khidlan ici, Al-Khidlan qui est en français, on a dit l'avilissement, ce qui est voulu par ça, c'est le contraire de At-Tawfiq. At-Tawfiq, c'est la création par Allah dans l'esclave de la capacité à lui obéir. Mais quant à Al-Khidlan, ici l'avilissement, c'est le contraire. C'est le fait que la personne ait la capacité, même la capacité de désobéir. Et aussi, c'est un signe de la disparition de la clairvoyance. Le fait de retarder la tauba, retarder le repentir. Et la disparition de la clairvoyance ici, ce qui est voulu, donc c'est l'effacement. Il y a Tams, la disparition, donc l'effacement. Al-Basira, la clairvoyance, donc du point de vue du cœur. La clairvoyance par le cœur. Donc l'effacement du cœur, l'affaiblissement, la disparition du cœur, c'est l'un des signes de... C'est plutôt le retarder le repentir, c'est l'un des signes de l'effacement du cœur, la clairvoyance. والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا